Et salut YouTube, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Undertale, ce jeu fort sympathique en pixel art de Toby Fox. Nous sommes à la poursuite de Papyrus et de Sang, son frère, qui deux squelettes un petit peu barjots. C'est une note de Papyrus. Humain! S'il te plaît, profite de ces spaghettis. Tu ne le sais pas, mais les spaghettis sont un piège. Qui s'en fait pour te piéger, perdre leur délice. Ah, tu seras tellement occupé à les manger que tu ne réaliseras même pas que tu n'avances pas. Encore une fois, piégé par le grand papyrus. Papyrus. C'est un plateau de spaghettis. C'est tellement froid que c'est collé à la table. Et il y a un micro-ondes qui n'est pas branché. Tous les réglages des spaghettis. Attention, mariage de chien. Alors ici, il y a des pics. Une baston, un chien mineur. D'accord, donc il nous saute dessus. Tout ça m'a l'air de finir, mais il y a une croix entre deux objets là-bas, donc je pense qu'on va. Oui, bah, genre là, il y a un bouton caché dans la neige. Des gros chiens avec des haches. Ça coûte de l'air, ça coûte de l'air. Si tu es une odeur, identifie toi-même, identifie-toi. Pressente-toi! Quelle odeur étrange. Ça me donne envie de l'éliminer. L'éliminer, toi! Nous sommes attaqués par des doggies. Et par l'homme et la femme. Pouf, grosse tatate. Prends ma femme! Très bien, comment je suis censé éviter ça? Boum, on a tabassé madame. On a tabassé monsieur, pardon, et madame ne va pas être contente, je pense. Mais vas-y, mais comment j'évite ça? Ouf, ça pique. Bon, heureusement elle a fini parce qu'on avait quand même mangé chez. Et on a monté le niveau. J'espère qu'il y a un point de sauvegarde bientôt. Tous les X en haut et appuie sur le bouton. Ok, jusque là ça va. Grosse énigme encore une fois. Quoi? Mais comment t'as échappé mon piège? Et puis, encore plus important, est-ce qu'il y en a encore pour moi? Qu'est-ce qu'on dit à Papyrus à propos de ses spaghettis? On va dire qu'elle les a mangés. Vraiment? Waouh! Personne n'a jamais apprécié ma cuisine avant? Eh ben, du coup, les papyrus humains, moi, le grand chef Papyrus, je te remettrai autant de pâtes que tu le désires! Et mon frère a commencé une collection de chaussettes récemment. Comme c'est triste. Parfois, je me demande ce qu'il ferait sans un mec aussi cool que moi qui s'occupe de lui. Comment dire? T'as mis longtemps à arriver, alors j'ai décidé d'améliorer ce puzzle en arrangeant la neige pour qu'elle ressemble plus à mon visage. Malheureusement, la neige a gelé par terre. Maintenant, la solution est différente. Et comme d'habitude, ma feignasse de frère n'est pas dans le coin. Je suppose que ce que je veux dire, c'est ne t'inquiète pas, humain.
Le grand papyrus résoudra aussi ce problème. Et puis ensuite, on pourra tous les avancer. Et pendant ce temps, essaye de faire le puzzle toi-même. J'essaierai de ne pas donner en nous de la réponse. Je sais pas s'il faut tout faire en... Oui. Ok. Hop, 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 hop. Si on... fait truc... D'accord, ça passe en triangle, il faut reset. Pop, 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 pop. Oh, attention, faut réfléchir. De résoudre et t'as fait tout ça sans mon aide, incroyable. Ah, je suis impressionné. Hein. Tu devrais t'occuper plus des puzzles comme je le fais. Enfin, je suis sûr que tu vas adorer le prochain puzzle. Du coup, ça me semblera peut-être trop facile pour toi. bien joué en le réussissant si rapidement. T'as même pas eu besoin de mon aide. Ce qui est cool, parce que j'aime ne rien faire. Hey! C'est l'humain! Tu vas adorer ce puzzle. C'est, mais par le grand doc- c'est fait par le grand docteur Alphys. Tu vois ces dalles? Une fois que j'ai rejeté ce bouton, eh bien elles changeront de couleur. Et chaque couleur a une fonction différente. Les tuiles rouges sont impassables, tu ne pourras pas marcher dessus. Les tuiles jaunes sont électriques. Elles t'électrocuteront. Les tuiles vertes déclenchent une alarme. Si tu marches sur elles, tu devras battre un monstre. Et orange, elles sentent l'orange. Et elles te feront sentir délicieux. Les tuiles bleues me donneront envie de nager à travers. Mais si tu sens les oranges, les piranhas te mordront. Et puis, s'il y a une... Les tuiles bleues sont next près de la... d'une tuile jaune, et l'eau te t'électrocutera. Et les pourpres glissent, tu glisseras jusqu'à la prochaine tuile. Et enfin, le savon glissant sent comme les citrons que les piranhas détestent. Les pourpres bleus, c'est ok. Finalement, les roses, elles font rien. Elles marchent sur elles autant que tu veux. Et comment c'était ça? T'as compris? On va dire que oui. Ah, super! Alors, il y a une dernière chose. Ce puzzle est entièrement aléatoire. Quand je tirerai ce levier, ça me fera un puzzle qui n'a jamais été vu auparavant. Même pas moi, je connais la solution. Prépare-toi. Oui, lalalala. Quel bordel. Ok, c'était bon. En fait, les spaghettis, plutôt, là, c'était pas trop mal pour mon frère, hein. Et sachant qu'il a pris, depuis qu'il a pris des leçons de cuisine, il s'est vachement amélioré. Je continue que s'il part, qu'il continue l'année prochaine, s'il fera quelque chose de mangeable, hein. On va sauvegarder. La neige peut toujours être détruite et reconstruite en quelque chose de plus utile. Ce simple fait te remplit de détermination. C'est une pile de neige. Sur le sol, il y a une boîte de pommes raisins. Je ne sais plus ce que c'est. Attention, soyez au fait du chien et merci de lui faire des gratouilles. Ah, le type de puzzle que je déteste. Ok, en plus. c'est un morceau de... C'est un tas de neige avec le mot « sang » écrit dessus au marqueur rouge. C'est un papyrus en neige. Mon sang, la feignasse, c'est l'autre. Bon, du coup...
Tchac tchac tchac. Tchac 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 tchac. Ok. Magnifique. Superbe. Ivre, il rate la première case. Qu'est-ce qu'on disait? Oui. Et bim. Petit pont de neige. Et suite de l'aventure. Un petit détail sympa. Alors il y a 100 qui est ici. Il y a 8 ici. Ouais. La suite de l'aventure est plus à l'est ou au sud? Ouf. Et quelle petite niche. Des poufs de neige. Un pouf de neige. Ça, cependant, c'est un pouf de neige. Étonnamment, c'est un pouf de neige. Un pouf de neige. C'est vraiment un pouf de neige. Attention, un pouf de neige. Et il y a 30 pièces là-dedans. Dans quoi? Hein, ça, par contre, c'était pas un pouf de neige, c'est un wawa. Un doggo. Ah. Ok, vu comme ça. C'est plus, c'est le chien supérieur. Il ne nous voit pas si on ne bouge pas. Ses aboiements nous attaquent. Tu as gagné 80 XP et 60 heures. T'en es plus loin à l'intérieur. Petite référence à Doctor Who, évidemment. Merde, sans être là, il est parti. Il y a des choses qui nous espionnent. Il y a une caverne. On va explorer du côté du chien. Peut-être pas par là, mais. La caverne ne m'inspire pas vraiment confiance pour l'instant. Petit arrière-plan qui est plutôt mignon aussi. Les graphismes sont très simples, sont plutôt lisibles, donc c'est plutôt sympa. Ah. Bien sûr. C'est ton dernier et plus dangereux challenge. Amir, le gant clé de la terreur mortelle. Non, Gondler, c'est pas Gondler, c'est. Bref. Quand je dirai le mot, ça sera activé pleinement. Les canons feront feu, les pics se balanceront, les épées trancheront, chaque morceau se balancera violemment de haut à bas. Seule la plus petite chance de victoire résistera. Est-ce que tu es prêt? Parce que je vais bientôt le faire. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que j'attends? Quoi, qu'est-ce que j'attends? Je vais activer l'air. Ça a pas l'air super activé. Ce challenge, il a l'air peut-être un peu. C'est peut-être moins facile de défaire l'humain, mec. Je peux pas utiliser celui-là. Je suis un squelette avec des exigences quand même. Mes puzzles sont très sympathiques, très justes. Et puis mes pièges sont cuisinés avec excellence. Mais cette méthode est trop directe, pas très classe. Allez hop, je la vire. Pouf! Eh ben qu'est-ce que tu regardes? C'était encore une grande victoire de Papyrus. Ouais, je comprends, je sais pas ce qu'il va faire maintenant. Alors, si j'étais toi, je m'assurerais que j'ai bien compris les attaques bleues. Oui, nous avons compris. Il suffit de rester immobile. Ce qui est dans mes cordes, pour une fois. Alors. Du coup, on va quand même aller explorer la caverne. Parce que visiblement, la suite de l'aventure était à l'est.
Je me demande bien ce qu'on va y trouver. C'est une porte. C'est toujours une porte, hein. Ah, donc il va y avoir un code à comprendre. Non. Est-ce qu'individuellement ça suffit? Non. Il va y avoir une combinaison à ouvrir, évidemment. On reviendra plus tard, il y a peut-être une solution énigme qui va se balader. On va pas essayer de faire un bruit de force à travers le passage. Ça ne sert à rien. On n'est pas full life encore. C'est bien qu'on trouve un point de sauvegarde parce qu'à mon avis on va se taper Papyrus quand même à un moment. Enfin se le taper en combat bien sûr. Nous ne sommes pas pour ce genre de pratique sinon. Rencontre aléatoire. Jerry éternue sans se couvrir le nez. Quel gros crapaud. Oui. Il est résistant le bouillon. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Si on fait merci, est-ce qu'on on peut faire spare? On a gagné 17 XP et 28 d'or. Donc on l'a épargné. Bienvenue à Snowdin! Il y a un magasin, il y a un coffre, il y a un point de sauvegarde. Un village aussi chaleureux nous remplit de détermination. Bonjour, voyager, comment puis-je t'aider? Hein? Vendre quelque chose? Est-ce que ça a l'air d'être un prédire sur gage? Je sais pas d'où, comment ça marche, tu viens, mais si j'ai commencé à acheter des vieilles branches et des bandages utilisés, j'aurais plus de boulot depuis un bout de temps. Salut. Bienvenue à Snowdin. Je me souviens pas la dernière fois qu'on a vu un nouveau dans le coin. Et d'où tu viens? La capitale? Oh, t'as pas l'air d'un touriste. T'es ici par toi-même? Qu'est-ce qu'on peut faire dans le coin? Tu veux savoir ce qu'il y a à faire à Snowdin? Eh ben, Gridby a de la bouffe, et puis la bibliothèque a des informations. Ah, si t'es fatigué, tu peux te reposer à l'auberge, c'est à côté, ma sœur s'en occupe. Et puis si tu t'ennuies, tu peux t'asseoir dehors et puis regarder ces squelettes un peu fous faire leur truc là. Rien de deux, des frères, je crois. Ils se sont juste ramenés un jour et puis. Oh, puis ils se sont affirmés là. Et la ville est devenue beaucoup plus intéressante depuis ce temps-là. L'histoire du village. Eh ben, souviens-toi de tes classes d'histoire. Il y a bien longtemps, les monstres vivaient dans les ruines près de la forêt. Enfin, pour faire court, on a décidé de quitter les ruines et puis on s'est baladé, on est sorti des cavernes. Puis en route, on a découvert qu'on aimait le froid et puis on s'est installé à Snowdin. Ah, et puis ne pense pas explorer les ruines. Hein. La porte est bloquée depuis des décennies. Des lustres. Alors à moins que tu sois un fantôme ou que tu peux creuser sur la porte, oublier. Et sa vie. La vie est la même que d'habitude. Un peu claustrophobe, mais à l'intérieur, on sait tous que la liberté arrive, n'est-ce pas? Enfin, tant qu'on a cet espoir, on peut serrer les dents et affronter les mêmes problèmes jour après jour. C'est la vie, quoi. Qu'est-ce qu'on va acheter? Un man libre de... qui donne quand même pas mal de défense. On va prendre le bandana. On va se prendre un cinnamon bun qui donne 22 points de vie. On va en prendre deux. Voilà. Salut, hein, reviens quand tu veux. Alors. On va équiper notre manly bandana. Notre bandana de bonhomme. Bienvenue à l'auberge Enneigy, le meilleur hôtel de Snowdin. Une nuit, c'est 80. On est déjà soigné. Bon, on va rester quand même.
V'là la clé de ta chambre, et assure-toi de récupérer toutes tes affaires. Hein. Sympa les mecs qui dorment, qui ronflent à côté. Petite musique sympathique. Eh bien sûr, on dirait que tu t'as super bien dormi. Ce qui est incroyable, parce que t'es là-haut pour à peu près seulement 2 minutes. Tiens, je te rends ta thune. Tu me payeras si tu restes la nuit entière. Et toi, t'es qui? Momo dit que quand tu dors, tu peux récupérer plus de d'énergie que ta vie maximale. C'est quoi la vie maximale? Les musiques sont vraiment mignonnes. Hein. Tu veux pas aller marcher jusqu'à l'autre côté de la ville? Eh ben, utilise les tunnels souterrains. Ils sont faits avec efficacité. Dis-moi, parle aux habitants. Cette dame là-bas, elle est heureuse aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me donne des frissons. Ah, c'est si paisible et calme. D'habitude, un de ces chiens chasse mon petit canel aux alentours. Tu sais ce qui est mignon, ces deux chiens mariés qui se donnent toujours des cadeaux, qui donnent toujours des cadeaux en dessous de l'arbre l'un pour l'autre. Oh, c'est toujours pareil, un simple os. Mais à chaque fois, ils agissent comme si c'était la première fois qu'ils en avaient un. Et puis Papyrus vient pour récupérer son os. Oh, en tous les cas, où est-ce qu'ils sont tous les deux? Il se pourrait que je les ai défoncés en cours de route. C'est un arbre décoré avec soin. Certains cadeaux sont adressés depuis Santa, donc depuis le Père Noël, à des habitants. Yo, tu as gamin aussi, non? Je peux te dire, parce que tu as un maillot rayé. Ah bah oui. Grilby, qui vend de la bouffe. Cette ville n'a pas de mer. Mais s'il y a un problème, un squelette dira une femme poisson. Racontera ça à une femme poisson. Ça, c'est de la politique. Oula, l'auberge qui a l'air de qualité. C'est vraiment calme ici. Éclatez-vous toujours de pourquoi j'étais à cet endroit. Oh bon, lui. Et quel boum des humains, il fait la bouffe des monstres. Est-ce que ça fait des trucs comme pourrir? Et puis quand tu bouffes, ça passe de part en part du corps. Oh, c'est dégueulasse. Ah, j'adorerais tester ça un jour. La capitale est plutôt pleine de monde. Alors j'ai entendu qu'ils commençaient à déménager ici. Ah, qui sait, peut-être qu'on aura de la place. Ces chiens sont pas de la pitié de les verres royales, mais. Hein? Où est-ce qu'ils sont? Quelque chose a l'air étrange. J'ai lancé une ligne par défi aujourd'hui. Quelqu'un me disait qu'il y avait de nombreux poissons dans l'océan. En tout cas, je prends ça au sérieux. Je vais littéralement rouler des galoches à un poisson. Il sait qu'il vous offrirait bien un verre d'eau, mais il touche pas à cette chose. Donc Grisby ne touche pas à des verres d'eau. Très bien. On ne peut pas sortir. On ne peut pas utiliser la porte en cas d'incendie car nous ne sommes pas un incendie. Le jukebox est cassé. Bon, Grigby, il n'y a pas grand-chose à faire. Chouette écharpe. On dirait que ça devait être, les choses vont de pire en pire. Alors, tu sais tous que les souterrains ont des problèmes, mais on sourit tout de même. Mais pourquoi? Eh, parce qu'on peut rien faire d'autre. Pourquoi alors est-ce qu'on serait morose à ce sujet? Ah, c'est le libre arbitre, c'est même pas la librairie. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? D'autres maisons? Oh, j'ai flairé les enfants à l'intérieur. On dirait que ce n'est pas sûr aujourd'hui. Ah, quel beau tapotement.
Mais peut-être que si je ne réponds pas, je l'entendrai à nouveau. Ah, ma patience me récompense. Est-ce qu'il y en aura marre à mon oncle? Bon, j'en ai marre avant lui. Ok, il fait des glaçons, il les jette. Très bien. Why not? Coup de téléphone. Allô? Est-ce que je peux parler à G? Attends. Est-ce que je me sens au numéro? Ah, c'est le faux numéro! Oh, la musique des faux numéros! Ah, on est désolé qu'on s'entende, vous voyez. Ah, c'est le faux numéro, c'est la chanson du faux numéro. Oh, c'est désolé qu'on se trompe. Très bien. Why not? Je voudrais que vous pouvez utiliser ça comme musique de portable, la musique des faux numéros. Et bienvenue à la bibliothèque. On a une faute sur le signe. J'adore travailler pour le journal. Il y a toujours si peu de choses à faire que je remplis avec des bandes dessinées et des jeux. Et quand j'étais plus jeune, mes enseignants me donnaient les mots à chercher quand il n'y avait plus de devoirs. J'ai pensé que c'était une perte de temps, mais regardez-moi maintenant. J'ai le numéro 1, je suis la top en recherche de mots, en créateur de... Recherche de mots mêlés, pardon, dans les souterrains du monde entier. Traduction un peu douteuse. Ce regard dans ton œil. Ah, tu es quelqu'un qui a du mal à faire des mots croisés, n'est-ce pas? Ok. Ouais, un petit peu de courrier. Pas mal de paperasserie. Et cette vie est appelée papyrus. On regarde à l'intérieur? Oui. C'est vide. Visiblement, il y a celle de sang et celle de papyrus. C'est verrouillé. Et on peut pas regarder par la fenêtre. Ça, c'était le tunnel. Petite cabane. C'est fermé de l'intérieur. Bon, ben, poursuivons. On retrouve les glaçons qui étaient jetés par le loup. Très bien. Un peu revoilà papyrus. Permets-moi de te parler de quelques sentiments complexes. Des sentiments comme la joie de trouver un autre amour et des pattes. L'admiration pour quelqu'un qui sait résoudre des puzzles. Le désir d'avoir une personne intelligente et cool qui pense que vous êtes cool. Ces sentiments, ils doivent être ce que tu ressens maintenant. Oh, je ne peux qu'imaginer ça fait de se sentir comme ça. Après tout, je suis vraiment génial. Je ne me demande jamais ce que ça fait sentir d'avoir plein d'amis. Oh, je t'envie. J'ai pitié de toi, humain isolé. Ne t'inquiète pas, tu ne seras plus isolé bien longtemps. Moi, le grand pipieux serait ton... Non, c'est faux ça. Non, je peux pas être ton ami. Je peux pas être ton ami, t'es un humain. Je dois te capturer. Et puis, je remplirai mon rêve d'une vie. Puissant, populaire, prestigieux, c'est Papyrus. Le nouveau membre de Garde Royale. Et Papyrus bloque le chemin. Il a pas l'air de kiffer. Ah, t'es sérieux, hein? Eh bien, voyons si tu peux subir ma première attaque bleue. D'accord. Elle était bleue maintenant. C'est ça ma attaque. T'es bleue maintenant. Attention. Ah, c'est vers le haut, c'est vrai. Oula, ça c'était de la merde. Essaye d'appuyer sur haut pour sauter, hein.
C'est un peu mieux comme ça. Très très bonne musique. Depuis le début du jeu, les musiques sont vraiment très sympas. Discrètes par endroits, mais... Oula. Le D-pad de Xbox est pas terrible, hein. De la manette de Xbox, pardon. Et là, on doit appuyer haut plus longtemps pour sauter plus haut. Pas du tout le timing. Bah, ne m'oblige pas à utiliser mon axe spécial. Oh, je sens... Je coûte presque ma popularité figure. Ouh, c'était traître, ça. Sprouch. Un chef de garde royale. Ouais, d'accord. Spaghetto verde sans précédent. Il y a un peu des attaques de traîtres qui arrivent des deux côtés, c'est un petit peu tendu. Faudra encore 20 points de vie, donc ça va. Undine sera vraiment fier de moi. On est en train de bien le défoncer. Attention, attaque spéciale. D'accord. Mais c'est pas un truc spécial. Mais petit chien, tu m'entends? Arrête de bouffer cette os. Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, reviens avec mon attaque spéciale. Oh. Oh, je vais juste utiliser un truc normal mais super cool. Ouais, voilà une attaque absolument normale. Ouais. Oui, ok. J'ai un peu l'idée. Ça pique pas mal, ça. Le retour du Wawa. Cool, dude. Décidément, il est un peu en train de craquer. Ah d'accord, il y a moyen de monter plus haut, quoi. Et par contre, faut qu'on se soigne parce qu'on est en train de crever. C'est quoi la vanne là? Il y a bien un piège sur ce petit truc. Ben, c'est clair, tu peux. Tu peux pas me battre, hein. Je vois que t'es en train de trembler dans tes bottes. Du coup, moi, le grand Papillus, je vais bien avoir pitié de toi. Je vais t'épargner, humain. Voilà, ta chance d'accepter ma pitié. Ben, on peut se barrer du coup. On va se barrer. Je ne peux même pas arrêter quelque chose aussi faible que toi. Dino va être déçu. Je vais jamais arriver à la garde royale et puis... mon nombre d'amis va rester stagnant. Est-ce qu'on peut être ami avec lui? Ou on peut dire, allez, gros loser, allez, soyons amis. Vraiment? Tu veux être mon ami? Ah bah, dans ce cas-là, je suppose que je viens accepter pour toi. Waouh! Oh, j'ai des amis. Et puis, qui pensait que tout ce que j'avais à faire pour ça, c'était donner des puzzles tout pourris et puis me battre contre eux? Ah, tu m'as appris beaucoup, humain. Je te donne la permission de passer. Et je te donnerai des indications pour rejoindre la surface. Continue droit jusqu'à ce que tu atteignes la fin de la caverne. Et puis, quand tu auras atteint la capitale, franchis la barrière. C'est le saut magique qui nous retient tous sous le sol. Tout peut rentrer par là, mais rien ne peut en sortir. Sauf quelqu'un avec une âme puissante, comme toi. C'est pourquoi le roi veut acquérir un humain. Il veut ouvrir la barrière avec le pouvoir des âmes. Et puis nous, les monstres, on pourra retourner à la surface.
Oh, j'ai failli oublier de te dire, pour atteindre la sortie, tu devras passer à travers le château du roi. Le château roi des monstres. Il est, c'est un gros mec impississement avec plein de fourrure. Et tout le monde adore. Je suis certain que si tu dis excusez-moi, monsieur Dreamer, est-ce que je peux aller à la maison? Il dira à la barrière lui-même. Dans tous les cas, assez discuté. Je serai chez moi pour être un pote cool. Et puis, tu peux venir et puis on traînera ensemble. Excusez-moi. La voix de Papyrus m'arrache la gorge. Allons voir Papyrus chez lui, il va être avec 100. On aura peut-être droit, encore une fois, à des jeux de mots de qualité. Papyrus. Ah, oh, t'es revenu me voir. Oh, tu es vraiment sérieux, promoteur. Je vais devoir t'amener à un endroit très spécial. Un endroit où j'aime passer beaucoup de temps. Le boulet. Et chez moi. Oula. Il y a une chaussette sale avec des notes dessus. Vincent, ramasse ta chaussette. Ok. Ne la remets pas par terre, bouge-la. Ok. T'es bougé de 2 pouces, mets-la dans ta chambre. Ok. Mais ne la ramène pas ici. Ok. C'est encore là. T'avais pas dit de la ramener juste dans ma chambre? Ah, oublie. C'est un bouquin de blagues. Est-ce qu'on regarde? Oui. À l'intérieur du bouquin de blagues, il y a un bouquin sur la physique quantique. On regarde à l'intérieur, et dans le bouquin sur la physique quantique, il y a un autre bouquin de blagues. Et on regarde dedans, et il y a un autre bouquin sur la physique quantique. Alors on a décidé d'arrêter. Salut, dans ma maison bien décorée. Profite et prends ton temps. Mon frère sort toujours pour bouffer, mais récemment, essaie de faire cuire quelque chose. C'est que t'es genre une quiche. Mais rempli des trucs sucrés et sans enjeu. Quelle absurdité. Impressionné, hein. J'ai augmenté la taille de mon dévier. Puis comme ça, je peux mettre plus de dos en dessous. Regarde, hein, jette un œil. Quoi? Et rattrape ce sale chien. Malédiction. Arrête de polluer ma vie avec de la musique. Ah, intéressé dans mon musée de la bouffe. S'il te plaît, parcours donc ce centre d'art culinaire. La moitié sont des tupperwares sont remplis avec des spaghettis. L'autre moitié ne contient rien sauf des paquets, un paquet de chips vide. C'est la poubelle. Rends-lui visite quand tu veux. C'est le caillou domestique de mon frère. Il oublie toujours de me nourrir. Comme d'habitude, je dois prendre la responsabilité. Le caillou est couvert de petites sprinkles. Oh, c'est mon jeu favori. Ça dit, restez en ligne pour aller beaucoup. Et quoi? D'habitude c'est mieux que ça, c'est juste un mauvais épisode, ne me juge pas. C'est ma chambre. Si t'as fini de regarder autour, on pourrait regarder dedans et glander comme des perles, comme des potes vraiment cool. Pas tout de suite. Une image classique, ça me rappelle toujours ce qui est important dans la vie. La porte est fermée. Et verrouillée même. C'est ma chambre. Si t'as fini de regarder autour, on peut glander comme de fond près de cool. Oui. Hey, c'est toutes les attaques que j'ai utilisées sur toi. Ah, quel souvenir. Hein. On dirait que c'était hier. Enfin, maintenant, ça vient juste de se produire. Internet. Je suis plutôt populaire, là. Il me manque juste une douzaine de personnes pour être à nombre de followers à 2 chiffres.
On dirait. Bien sûr, la célébrité a un prix à payer. Un troll jaloux a décidé de s'attaquer à ma personne en ligne. Il m'envoie toujours des mauvais jeux de mots dans une police ridicule. Je soupçonne ton frère. Ce livre est un de mes préférés. Construction de puzzle avancé pour esprit critique. Le bouquin à côté est un de mes favoris aussi. Et faire peur avec un lapin mignon. La femme me prend toujours aux tripes. Il est pas cool ce drapeau. Un deal l'a trouvé dans la baie. Je pense que c'est du monde humain. Je sais à quoi tu penses. Pourquoi est-ce que je voudrais un drapeau humain? Alors que je suis un squelette cool. Alors qu'il y a un squelette cool dessus. Eh bien, j'ai une théorie. Je pense que les humains, ils doivent être descendus des squelettes. Ah, oui. Les figurines. Quelle grande référence pour... Quel point de référence pour des scénarios de bataille théorique. Pourquoi j'en ai autant? Eh ben, on va dire qu'elles sont... elles sont pour un homme sympathique et souriant qui aime surprendre les gens. Voilà, c'est ça. C'est du Père Noël. C'est mon lit. Si un jour je vais à la surface, j'aimerais conduire le long d'une grande autoroute. Le vent dans mes cheveux. Le soleil sur ma peau. Bien sûr, c'est juste un rêve. Alors à la place, je voyage pendant que je ronfle. Il n'y a pas de squelette dans mon placard. Enfin, sauf moi, des fois. Il n'y a que des fringues. Bon, on aura bien profité de la maison de... Papyrus, pardon. Il n'y a pas de point de sauvegarde dans le coin, je crois. Mais par contre, on a quasiment plus d'HP, donc on va profiter du duel. Pour revenir au point de sauvegarde. Encore ce blizzard qui couvre notre route. Mais on peut continuer. En suivant le parcours de ce bloc de glace. Eh bien, pas de sauvegarde là. C'est une fleur d'écho. Ça répète la dernière chose que c'est entendu. À jamais. Hey yo, t'essaies de me faire peur de te faufiler pour l'avoir aussi, hein. Ah, génial, trop cool, n'est-ce pas? Je vais juste être comme elle quand je grandirai. Et dis pas à mes parents que je suis ici, hein. C'est une fleur d'écho, ça répète la dernière chose qu'elle a entendue. Bah oui, du coup, c'est lui qui l'a dit, donc ça répétera jamais ce qu'elle a fleur à dire. Quoi, t'avais jamais vu un mec avec deux boulots avant? Heureusement, deux boulots, ça veut dire aussi deux fois plus de pauses nécessaires légalement. Je vais chez Grilby, tu veux venir? Ouais, on va dire oui. Eh ben d'accord, si t'insistes, je vais être obligé de quitter mon boulot. Par ici, je connais les raccourcis. Eh, rapide, hein? Eh, tout le monde! Salut, San! T'étais pas ici pour déjeuner il y a quelques instants? Non, j'ai pas encore pris mon petit-déj, en tout cas pas la dernière demi-heure. Ah, tu dois penser au brunch. Allez, vas-y, installe-toi, mets-toi à l'aise. Oups, regarde où j'étais assis. Parfois il y a des fous qui mettent des bizarres qui mettent des coussins péteurs sur les sièges. Ah, dans tous les cas, commande quelque chose. Et qu'est-ce que tu veux? Frites ou burger? Burger. Eh, ça a l'air plutôt bon. Hey Galby, on aura un double service de burger. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon frère? Oui, il est cool. Bah, bien sûr qu'il est cool. Tu serais aussi cool si tu portais cet habit tous les jours. Et il le retire uniquement si on a vraiment besoin. Bah écoute, au moins, il le lave. Enfin ça, je veux dire qu'il le porte à la douche, quoi.
Et voilà le grand bébé. Tu veux du ketchup? Oui. Et bon appétit! Et toute la bouteille de ketchup se vide sur, sur notre plat. Oups! Et j'ai oublié pourquoi ça, tu peux dormir. J'ai plus faim de toute façon. Mais en tous les cas, cool ou pas, tu devrais essayer de te rendre compte que Papyrus fait de son mieux. Comment il essaye d'être, de faire partie de la garde royale, quoi. Un jour, il est allé à la maison du chef de la garde royale. Et il a supplié de le laisser entrer. Bon, bien sûr, elle a fermé la porte parce qu'il était minuit. Et le jour suivant, elle s'est réveillée et elle l'a vu là attendre ici. Alors, face à son dévouement, elle a décidé de lui donner son entraînement guerrier. C'est toujours en cours. Ah oui, je voulais te demander. Tu as déjà entendu parler d'une fleur qui parle? Oui. Tu sais tout son sujet, hein? La fleur d'écho. Et il y en a partout dans les marais. Tu leur dis quelque chose et puis ils le répéteront à jamais. Et quoi, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, Papyrus m'a dit un truc intéressant dessus la dernière fois. Parfois, quand il n'y a personne autour, une fleur apparaît et elle lui susurre des choses. De la flatterie, des conseils, des encouragements, des prédictions. Étrange, hein? Quelqu'un doit utiliser une fleur d'écho pour lui jouer un tour. Garde l'œil ouvert, ok? Merci. Bon, et ben, c'était une bonne pause. Je peux pas croire que t'as réussi à me tenir éloigné du travail assez longtemps. Oh, au fait, je suis complètement cramé, j'ai pas eu de thune. Tu charges l'addition, hein? Ça ferait que 10 000. Eh ben non. Oh, je déconne. Et Krilby, mets ça sur ma note. En fait, j'allais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Nous revoilà chez Grigby. Bon, du coup, on va rejoindre à nouveau l'Est. On va pouvoir quitter Snowdin. Alors on peut continuer, on va retrouver un point de sauvegarde. Il y a cette histoire de fleur d'écho qui est assez bizarre. Peut-être qu'on va la croiser dans les marais. Utiliser la boîte, oui, mais on n'a pas grand chose à... si on peut mettre le bandage. C'est une boîte. On peut mettre des trucs dedans et en retirer. Et pourquoi tu ferais ça? Tu peux pas utiliser les items puisqu'ils sont dans la boîte. Sincèrement, un mec qui déteste les boîtes. Nous allons parler d'une fleur d'écho. Je jure que j'ai vu quelque chose derrière cette cascade. Oui, mais forcément. Les icebergs nous repoussent. Il y a un tutu sur le sol. Est-ce qu'on le prend? Oui. On récupère un vieux tutu. Il est toujours en pied. Alors, qu'est-ce que c'est que ce vieux tutu? 10 de défense. On l'utilise. Et on va pouvoir mettre... notre autre objet de défense, notre Manly Bandana dans le coffre. Pas mal, le petit jeu d'éclairage. Plutôt mignon. Salut Indine, je suis ici pour faire mon report du jour. Concernant cet humain dont je t'ai parlé précédemment.
Est-ce que je me suis battu avec... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je me suis battu avec vaillamment. Quoi? Est-ce que je l'ai capturé? Eh ben, non. J'ai vraiment essayé, hein, Lynn, mais à la fin, j'ai échoué. Que quoi? Tu vas prendre l'âme de l'humain, moi, toi-même? Ah, merde, Lynn. T'as pas besoin de le tuer, tu sais. Tu vois, tu vas... Non, je comprends. Je t'aiderai comme je peux. Ok. Andine a l'air pas très commode. Voire pas commode du tout. Yo, t'as regardé la façon dont t'as regardé? C'était génial! Oh, je suis tellement jaloux. Qu'est-ce que t'as fait pour avoir son attention? Allez! Allons voir voir tabasser des méchants. Oh, le boulet. Mm-hmm. On flippe, mais on reste déterminé. Quand 4 graines de pont s'alignent dans l'eau, elles vont germer. D'accord. Donc on va avoir sûrement des énigmes avec des constructions de ponts pour les quelques tableaux à venir. Watch. Jusqu'ici ça va. Et battle, battle, battle. Il y a un rond. Je transpire. On lui a pété la mouille. Alors, il y a 4 graines ici. Si on fait une erreur, on peut rappeler les graines de pont grâce à la... grâce à la feuille. Grâce à la... fleur de cloche. Ouais, bravo, bravo Louvo. Comme ceci, donc, d'accord. On va essayer de les aligner ici pour aller lire le panneau. Qui va sûrement nous troller. Félicitations! Tu as échoué au puzzle. Voilà, c'était un peu prévu. Du coup, ici avec 3 cases, je pense que ça va pas être bon. Ici avec 2, ici avec 3, 3, 3. Ça va être bon ça, si on fait ça. Hop. Ça permettra d'atteindre la dernière. La dernière petite jetée. Rien là. Y'a rien derrière la cascade. Mais salut! Hey, c'est Papyrus! Comment tu... j'ai eu ce numéro? C'était simple. Juste appuyé, j'ai juste fait tous les numéros dans leur séquentiel jusqu'à ce que je le tiens. Donc, qu'est-ce que tu portes? Je demande pour un ami. Elle pense qu'elle t'avait vu porter un tutu poussiéreux. C'est vrai, est-ce que tu portes un tutu poussiéreux? Ah bah oui. Ah, donc tu portes un tutu poussiéreux. Ouais, j'ai bien compris. Bonne journée, hein. La chambre des vœux. Il y a bien longtemps, des monstres exprimaient leurs vœux aux étoiles dans le ciel. Si tu pries avec tout ton cœur, ton vœu devient réalité. Maintenant, tout ce qu'on a, c'est ces cailloux brillants dans le plafond.
des milliers de personnes faisant des vœux tous ensemble ne peuvent se tromper. Le roi le montrera. On a Woshua. Ce n'est pas très solide. Bravo, belle esquive deux fois. On sent le pro d'attaque. Hop, montée de level. Allez, SR, fais un vœu. Je veux que ma sœur et moi voyons les étoiles pour du vrai un jour. Oui, on peut regarder à travers le télescope. C'est tout beau, c'est tout mignon. Regarde le mur! Et il y a une porte secrète. Mais il y a peut-être autre chose à voir là-bas. Oui. On dirait que mon horoscope est le même que la semaine dernière. Des molles molles. Je sais pas si on fait gaffe quand même. Bravo, bravo le veau. Quelle précision, quelle technique, quelle maestria dans l'exécution, bien sûr. Des écritures anciennes couvrent le mur, mais on peut comprendre les mots. La guerre des humains et des monstres. Pourquoi les humains ont-ils attaqué? En effet, il semblerait qu'ils n'avaient rien à craindre. Les humains sont incroyablement forts. Il faudrait l'âme de presque n'importe quel... tous les monstres pour égaler la puissance d'une seule âme humaine. Mais les humains sont au point fort. Ironiquement, c'est la force de leur âme. Ce pouvoir leur permet de persister hors du corps humain après la mort. Si un monstre défait un humain, il peut prendre son âme. Un monstre avec une âme humaine. Une bête horrible avec un pouvoir démesuré. C'est une illustration d'une étrange créature. Il y a quelque chose de perturbant à propos de ce dessin. Prenons ce petit radeau. À nouveau ce petit jeu d'éclairage. Et la lance d'un dino. On évite de s'arrêter, c'est vrai. Ça ne va pas. Il va falloir esquiver. Plus ou moins. Quel talent. Lion's Herbe, t'es Jurassic Park. Pas l'air bien cool le chef des gardes royaux. Évidemment. Bien sûr. Il n'y a rien sous ce petit ponton. Oh, t'as vu ça, hein? Indine, juste... Elle m'a juste touché. Oh, je me lave plus jamais le visage après ça. Oh, mec, t'as tellement pas de chance. Si t'étais juste un tout petit peu plus à gauche... Eh ben, oh, t'inquiète, je suis sûr qu'il y a votre... qu'on la reverra bientôt. Notre ami le petit dinosaure est bien rigolo. Je vous souhaite blague de la souris et du fromage. Oui. En course. Ben voici 100 et YouTube, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à faire ce que tu fais habituellement avec tes vidéos, c'est Undertale et la suite arrivera bientôt. Salut, des bisous.